Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Hyrule Warriors de l'ère du fléau. J'ai fait quelques combats. Bon, il me reste les entraînements de Sidon et Yunobo que j'ai pas fait. Mais sinon, tout le reste, en tout cas tout ce que je peux faire, je l'ai fait. Parce que je sais pas s'il y a pas des quêtes du coup qui impliquent Urbosa et Revali que du coup je peux pas faire parce que bah. Voilà, Urbosa ne peut pas sortir de sa créature divine. Ni Revali d'ailleurs. Donc du coup j'ai un peu entraîné bon quelques persos. J'ai pas touché Link, j'ai pas touché Yunobo, hein, j'ai regardé son truc. Voilà. Il attaque avec un jus de go de Kaias. Et visiblement, son spell, son action spécifique, ça fait des effets différents en fonction de quand tu manges le truc, enfin bon. On testera un jour. Mais du coup, on est parti sans plus tarder. Alors avant on va quand même faire ça, notamment. Petit combo pour Zelda. J'ai réussi. Finalement, j'ai pas pris de combo. Et donc, du coup, un nouveau combo après les bombes. Ok. Alors attendez, nouveau combo pour Impa. Ah non, il y avait ça, oui. Ça, j'ai attendu aussi pour voir ce que ça fait. Parce que du coup, j'ai les trois. Donc, est-ce que je débloque un truc? C'est fantastique. Parce que Miss Kyoza, c'est pas le... Je sais plus si c'est pas le mec de... Ouais, si, c'est le boss final du DLC, du deuxième DLC, ça, je crois. Oui, non, mais on... Bon, allez, vas-y. Vas-y, allez. Ah, mais... Ah, bon, Impa. Allez, on va mettre Impa, parce qu'Impa, je l'ai pas trop bougé, pas trop touché. Et voilà. Et de toute façon, on prendra Link et Zelda pour la prochaine quête. Donc on va faire ça et ensuite on fait la quête principale. Histoire 2. Parce que là, il y a encore un personnage ombré. Alors, bon. Voilà. Alors que le château d'Hyrule, hein, vous pouvez voir. Le château d'Hyrule possédait. Bon, dans l'épisode précédent, il s'était passé beaucoup de choses. Hein, parce que l'épisode était un peu trop long. Mais écoutez. Le roi d'Hyrule s'est sacrifié pour sa fille. Et Sidon est revenu. Sidon est arrivé du futur. T'as plus que prouvé ta valeur héroïque. Non mais alors attendez, est-ce que ça va être un perso jouable lui aussi? Ou ça va être juste un boss? Parce que là... Ouais. Au nom de la déesse Ilia. Je vais te poutrer la gueule. Je te soumets à l'épreuve finale, ouais. Oh oui. Ah 3 minutes. Ah ouais, j'ai 3 minutes pour faire ça, d'accord. D'accord. Comment il fonctionne? Comment fonctionnent ses attaques? Je me rappelle plus moi de ce combat, hein. Déjà dans le jeu de base, je me rappelle plus. Au secours. Mais c'est un combat vachement classe, ceci dit. Ouais. Moi aussi je fais des clones, t'as vu? Non. Voilà, nickel. Ok, pour l'instant ça se passe. Non. Ah, j'aurai jamais mon A par contre, hein. Ouais, sa barre de vie, C'est bien qu'elle descende un peu. Mais non, mais... Prends le symbole. Fais des clones. Ah mais ça, je perds du temps en vrai. Hein. Ça, voilà, bam, 5 secondes... 5 secondes au compteur en moins là. Ah, ça va être chaud. Je sais pas si... Je sais pas. Parce que là, ça va être phase 2. Ouais. Prends le symbole.
Ouais, je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps. Ah, j'ai le... D'accord. Ah, attendez, j'ai moins. Hein. Pas que je fasse de conneries, j'ai moins. Là, normalement, je pouvais le stagger et le faire la barre de points faibles. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Nimpo. Ok. Bah, nickel. Je te prête mes forces et que la déesse Ilia te protège. Quand tu dis je te prête mes forces, tu viens avec moi? Tu viens dans mon crew? Imaginons, on peut jouer lui, là. Fragment d'étoile, tiens, j'en ai besoin. Et donc, est-ce que nouveau perso? Est-ce que encore? Est-ce que le fond vert un jour? Incompréhensible. Ce guide spirituel du clan Sheka vivait il y a 10 000 ans, à l'époque où le clan maîtrisait une prodigieuse technologie. Ayant reçu les révélations de la déesse Ilia, il est resté assis au cœur d'un sanctuaire des épreuves pour attendre l'arrivée du héros. D'accord. Ok. Ok. Ouais, c'est complètement... c'est complètement un nouveau perso. Bah, très bien. Eh bah, écoutez... Oui, non, mais... Oui, voilà. Cœur max, combo plus... Ouais, ils sont où ces combos, là? Ils sont où les combos? Les combos. Nouveau combo. Ok. Ah, c'est propre, hein. C'est propre. Très bien. Bah écoutez. Bon, on va juste prendre les combos pour Impa et on va faire la quête principale. Mais du coup, on a un nouveau perso. Est-ce que je prends les... Ouais, non, je vais prendre les combos aussi pour Link, hein. Bam. Encore un autre combo. Bam. On améliore la lance. Très bien. Bon, après, voilà. J'ai encore d'autres trucs. Nouveau combo. Cœur max pour Sidon. Ouais. Bon, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, et l'Anel. L'Anel est content. Ah non, l'Anel était déjà content. Ça, c'est quoi? Jeu CF. Cœur max. Ah oui, il y a ça que je peux prendre. On va le prendre. En profiter vite fait. Hein. Ah! Je crois que j'ai besoin de poissons comme ça, moi. Pour un truc. Je sais plus pourquoi, mais pour un truc. Genre pour ça, non? Non. Ah, pour ça. Ouais, supprime les recherches. Ouais, voilà. Hein? C'est pas ces poissons-là? Ah, je suis choqué, déçu. Bon, tant pis. Du coup, équipe. On va mettre Link en 1. C'est le moment de montrer de quoi tu es. Alors oui, non, Link... presque la tenue que je... Presque. En vrai, la... Ah non, la coupe n'est pas du tout pareille. Hein, ouais, non. En vrai, je pense qu'on va faire comme ça. Bon, j'ai fait des changements de couleurs sur les tenues, hein, la capuche notamment. Ah non, la capuche non, finalement. Ah oui, non, parce que je me suis dit, de toute façon, la capuche, j'ai peur que... J'avais peur que ça cache un peu trop. Mais du coup, là, voilà, on va jouer un Link avec une vraie tenue. Cette fois-ci. Et on va prendre Zelda. Ok, bon, bah niveau arme, je pense qu'on est bien. On va pas prendre deux plats, ils sont niveau 41-40, la mission est niveau 40. Ouais, tout, ouais. J'avais pas fait un gap. Il y avait ça dans l'épisode d'avant? On avait déjà le truc grisé comme ça, là? De toute façon, c'est confirmé, du coup. On va encore avoir deux nouveaux persos dans le roster. Sur les images enregistrées, de rien, le gardien qui avait voyagé dans le temps.
on pouvait voir les quatre créatures divines se retrouver possédées par l'influence maléfique du fléau Ganon. Ces images concernaient bien sûr aussi les créatures divines Vamedo et Vanaboris, qui se préparaient dans l'ouest d'Hyrule pour faire face à la résurrection de Ganon. Ayant vu depuis le château d'Hyrule une lumière bleue émaner de Medo, Zelda et ses compagnons repartirent à l'attaque pour porter secours à Revali et Urbosa, persuadés que ces derniers combattaient toujours à l'intérieur de leur créature divine. Ok. C'est parti. Urbosa. Bordel, ils ont ramené Patricia. Pour le moment, tâchons de remporter ce combat. Ok, Riju et Teba. Ouais, j'avais oublié leur nom, mais... Mais ouais, du coup, voilà. Oh, par contre, Riju, elle va vraiment se battre avec son morse. Bon, allez. Donc là, on commence par... Urbosa. Ok. Ah, attends. Zelda. Zelda, qu'est-ce que tu fous de ta... Ah ouais, elle est à l'autre bout de... Ok. Voilà. Voilà, et c'est parti pour la guerre. Bombe. Ouais, ouais. Je connais ta stance. C'est bon. Oui, alors j'y voyais rien. Ça m'a pas empêché de lui casser la gueule, hein. Voilà. Oust. Allez-vous-en. Dégagez-le là. Oh, pardon, j'ai vu un truc cassable. Pas pu résister. Il est où mon Link? Non mais Link. Link va à un endroit, va à un vrai endroit. Genre. Hein? Captain Ilien. Ouais, non, mais Mobli Noir. Alors, du coup. Elle a un nouveau combo. Ouais, bah. Ouais, ouais. Alors. D'accord, petit strike. Petit strike de bombe. Et bam. Oh, la OST. Ces petits thèmes là. Pas l'apocalypse du tout. Et meurt. Ok.
Ouais, il faudrait peut-être que je me gourre niveau vie quand même. Urbosa là, elle tient le coup mais pas trop. Mais non. Ça parce que j'ai voulu finir mon combo. Paf. Ça va être fini là. À vous, ça va être fini. Aïe. Ouais, l'esquive aérienne. Hein. L'esquive aérienne, c'est pas trop ça. Hein. Trop tôt. Ouais, ouais. Salut, hein. Salut, hein. Mais il va être où, Banaboris, là? Bon, reste là, Link. Ouais, c'est des bons petits dégâts, quand même, là, mine de rien. On a mis des petits dégâts, là. Bam. Ouais. Non, trop tôt. Toujours trop tôt, cette attaque. Hein. Vraiment du mal à le timer. Et bam! Ah, oh, vraiment? Saloperie. Ok. Donc la direction va à Boris maintenant. Évidemment, elle est à l'autre bout de la map. Et Link. Link, on va le placer là. Non. Non mais, au secours. En fait, je passe ça. Voilà, et là je vais vite. Oui non, c'est pas par là. Aïe, saloperie. Ouais, j'ai le temps de me faire le sorcier. Non mais je commence à avoir à peu près compris Zelda. Et en vrai, certes, elle a pas beaucoup de combos. Mais au final, je la trouve quand même agréable à jouer. Hein. Ceci dit. Oh, sale bait! Oh, sale bait! Ouais, ouais. Il allait me la mettre cette attaque. Ouais. Pas le temps de faire toute l'attaque avant qu'il se relève. Quoi. Non, tant pis. Ouais. Ah, les dégâts sont pas suffisants. Hein. Ah bah c'était les bombes. Désolé. Hein.
sale bait. Non. Ouais, quand il pousse son cri, fuir. Tiens. Ouais. Il a du mal à mourir. Hein. Il est un peu loin. Oui, non, il a crié, oui. Reviens ici. Non mais... Mais non mais esquive! Esquive dans ta vie! Voilà! Et bam! Je crois que vous l'avez pas vu celle-là de ce finisher là. Voilà, du coup le petit gardien qui va nous permettre de rentrer dans Vanaboris. Let's go. Non, c'est pas le con, c'est pas de ce côté. Allez, rentre. On va faire en sorte que ce soit Zelda pour Urbosa. Plus symbolique. Décidément, il est beaucoup trop rapide. N'aura donc pas suffi. Détrompe-toi. Grâce à toi, nous avons tenu. Et nous allons pouvoir nous en tirer. Et c'est parti. Ah ouais, c'est vrai que c'est une saloperie celle-là. Hein. Cette ombre-là, je crois que c'est une saloperie, ouais. Mais saloperie, sale bait. Ouais, c'est trop loin. Non. Ah bah ouais, du coup j'ai plus les bombes. Non mais en fait avec Zelda c'est pas un problème normalement. Ok. Attends, par contre vraiment? Oh là là. Oh le timing hein. Faut trop taquer quoi. On va essayer de pas wipe hein ce coup-ci. On va essayer de gagner avec Zelda. Pas comme la dernière fois. Hein? Comment ça? Attendez, c'est quoi ce que j'ai vu derrière là? Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais.
Attends, une petite photo souvenir. Ok, ça l'a éliminé. Aïe. Mais non mais... Pires esquives de ta vie. Allez, la barre elle est presque. Elle est presque finie sa barre de points faibles. Ouais, ça oui. Bam. Encore un peu. Presque mort. Il est presque mort. Oh, les dégâts sont faibles, hein. Non. Vous y voyez rien, moi non plus. C'est normal. Après, en fait, il délaie sa dernière attaque, donc... Non. Donc, c'est censé être plus simple à esquiver. Ok. Non, tu peux pas ouvrir le coffre normalement. Très bien. Ça, c'est fait. Ah bah, oui. Alors, Zadar, laissez Patricia se déchaîner. Ok. Bon, pour l'instant, c'est très marrant. C'est vrai qu'il y a des gardes... J'ai pas lu tout ce qu'elle a dit, mais... Et du coup, maintenant, on va essayer d'aider Revali. Évidemment, on va l'aider avec Link, hein, pour lui faire les pieds. C'est mon plaisir perso, ça. Ça, c'est mon petit plaisir perso. Quoique non, c'est... Toi qui vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et Link, tu vas aller là. De toute façon, on va jouer avec Riju là pour l'instant. Mais attendez, son paravoile c'est... Non mais... Vraiment? D'accord, non mais ok, d'accord. Ça a l'air monstrueux en vrai, hein, comme perso. Alors, ça a l'air un peu bordélique. Mais ça, bon, ça c'est une question, c'est le temps de s'y faire quoi. Non mais. Hein? On peut monter là-dessus? Qu'est-ce que je fais? Je suis pas au bon endroit. Hein. Clairement, je ne suis pas au bon endroit. Ah, elle invoque des... Ok, invoque des soldats Gerudo. Alors, juste attendez. Niveau combo, elle a quoi de base? YY, attaque standard en course, attaque forte en course. Maintenez ZR pour que Patricia continue de se déchaîner. Lorsque Madame Patricia se déchaîne, orientez-la avec elle pour renverser vos amis. Ouais ouais hein. Qu'est-ce que j'ai? Ah j'ai fait A. Avec son casque. El famoso casque. Bon, pour l'instant hein, voilà, j'ai toujours pas vraiment changé d'avis hein, sur
sur le fait qu'on ait des gens venus du futur, hein. Mais bon, on va prendre ce qu'on a et on verra plus tard. On verra à la fin du scénario. Non mais au secours. En tout cas, au moins, elle se joue pas du tout comme Urbosa, quoi. Non mais au secours, j'y vois rien. J'y vois rien, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est là. C'est Patricia. Ah, oh, ça fait mal, ouais. Ça l'a pas fini, mais... Un jour, je comprendrai. Un jour, je comprendrai comment fonctionne le perso. Mais en attendant... En attendant, on va reprendre Zelda. Mais elle est repartie, saloperie. En vrai, il faudrait que je finisse avec elle pour avoir l'XP. Non mais... D'accord, c'est son 2 qui met en l'air, je crois. Au secours. Et du coup, elle a un bouclier, elle. Ah, et ces bombes l'emmènent en l'air. Ouais, en vrai, je pense que, bon, il faut... C'est surtout une question d'habitude, mais... Mais le perso a l'air sympa. Pour l'instant, j'aime bien. Ok. Pour l'honneur des Gerudo, je ne pouvais pas perdre. Non, Link. Non mais voilà, après on a Link, quoi. Après on a Link, il est survénère. Mais c'est naturel, ça. Boum. Boum, boum, boum. Il meurt. Ah mais Ah. Pas du tout au bon endroit en fait, mon Link. Laisse-moi faire, Link. Ouais. Ah ouais. Effectivement, on va te laisser faire. Oh merde. Je pensais pas que j'étais dans la portée. Au secours. Je vous assure, j'essaie de comprendre ce que je fais. Hein. Mais c'est compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que... Mais au secours, il est où mon ennemi? Il est là. C'est vrai qu'il était pas assez gros. Je le voyais pas. Pas assez immense sur la map. Au secours. Un jour, je t'aimerai bien mes esquives. Un jour. Non mais, tu peux... Au secours. Il est mort? Non, il est pas mort. Il est pas mort du tout, qu'est-ce qui se... Où elle va? Pourquoi elle s'en va?
Au secours. J'ai presque plus de vie moi par contre. Ouais. Je fasse gaffe à ma vie hein. Ah et mon A. Ouais donc, du coup c'est bien ça. Hein. C'est bien le A. Comment ça il est pas mort? Voilà. Ok, donc Link peut passer. Plus de musique. Ça y est. Zelda, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Zelda va là. Et Link, Link va là. Bam! Il y avait un Linel aux environs du sommet. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah mais attendez. Du coup, mon Link, il est pas du tout au bon endroit. Bon, bah va voir le Linel. Ah, et Rebali a plus vite. Ouais. Non mais... Alors en fait c'est bien qu'elle s'envole mais du coup le problème c'est que pour viser l'ennemi, c'est un peu plus compliqué. Bam. Par contre va récupérer le fort toi. Pendant que Link fait le chemin. Non mais... J'essaye hein. Je vous assure que j'essaye de faire des trucs. Genre de viser l'ennemi. Je pense qu'autant elle est très forte pour éliminer tout un tas d'ennemis en même temps. Autant pour focus un ennemi. C'est un peu plus compliqué. Mais le perso reste très agréable. Oui, ouais, bien sûr. Le perso reste très agréable. Allez. Sale bait. Voilà. Là. Non mais... Paf. Paf. Ah, c'est loin d'être suffisant. Hein. Et la vie de Revali... Ah ouais, ma cam. Où est la cam? Un moment. La vie de Revali qui descend. Pas mort. Ah non. Oh saloperie. Ça y est, d'un coup je prends des dégâts quoi. Faut que je me dépêche un peu hein. En vrai j'ai un peu peur, je commence à avoir un peu peur pour Evali. Normalement j'ai de la marge mais... Aïe. Non mais... Merde. Au secours. Pire visée. Okay.
Oh, j'avais jamais vu celle-là. J'avais jamais vu ce finisher. Fait plaisir. Petit finisher du plaisir. Ah, des pommes. De la vie. Un Korogu. Allez, let's go. Grand Rivali, à vous de jouer. Encore un coup pour rien. Ouais. Mais on dirait bien que le vent vient juste de tourner en notre faveur. Ah, ça lui fait les pierres. Que ce soit Link. Quoique, il a dit une phrase correcte. Ah, par contre, il a vraiment plus de vie, Révali, hein. Ah ouais. Ah ouais. Allez. Ah ouais. Révali, tu veux pas t'éloigner de la zone de combat? Genre? Fallait peut-être faire les bombes, ça. Non. Hein. Potentiellement. Hein. Bah ouais. Non mais le bouclier pour esquiver. Ouais. Ah ouais, ah super ouais. Ah ouais, super ouais. Grosse bombe hein, du coup. Aïe. Ah ouais, ma vie. Non, tu veux pas le... Jamais, hein. Non, bah non, mais non, mais non, mais... Saloperie, quoi. Ok. Ça le finit. Pourquoi il a pas disparu tout de suite? Ouais, d'accord, voilà, il a pris la fuite. Alors, est-ce que c'était le cas des autres, ou c'est juste que c'est la première fois que je m'en rends compte? Enfin, je viens de dire deux fois la même chose, mais... je pense que vous avez compris. Révali en PLS.
du lot en pagaille. Très bien. Bien. Tout d'abord, je dois vous remercier. C'est grâce à vous si on s'en est sorti. Robosta. Merci aussi. Arijou, c'est bien ton nom. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton intervention. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est notre victoire à tous. Ouais, on aurait très bien pu s'en sortir à deux. Mais j'imagine que ta présence n'a rien gâché. Ce n'est pas comme ça que je voyais le grand prodige. Nous avons bien des choses à nous dire, mais... Dites-nous, madame. Que s'est-il passé au château d'Hyrule ? Eh bien... Eh bien, papa est mort. Oui, j'ai déjà fait cette blague la dernière fois. Oui, et alors ? Grâce à l'aide de Teba et de Rijou, soudainement apparus à l'intérieur des créatures divines, Link et ses compagnons parvinrent à sauver Revali et Urbosa. Ayant appris par Zelda la chute du château d'Hyrule, Revali et Teba remontèrent à bord de Vamedo pour affronter la horde de gardiens qui avançait vers nos héros depuis le château d'Hyrule. Let's go! L'heure est à nouveau venue de montrer à tous la puissance de la créature divine Vamedo. Aïe aïe aïe. Bon allez, c'est parti. En vrai, Vamedo, j'aimais bien. Vamedo, j'aimais bien le jouer. Donc let's go. Ah bah 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 bam. Ah oui. Non, attendez. Voilà. Caméra 2. Ouais, ouais, ouais. Détruisez les armes en poste. Ah, ça, là. On a dit ça. On a dit tout cassé. Tout cassé. Merde. Zander... Ah oui, non, mais oui. Un jour, je saurais utiliser le bombardement. Bon, au pire tu fais comme ça, tu prends pas les dégâts. Bam. Comment ça l'ombre devant? Qu'est-ce que tu fous là toi? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, elle est repartie, ok. Moi, je crois qu'elle était en train d'attaquer de l'autre côté. Oh, sale bait! Ah ouais. Salut, hein.
Ah, bombardement aérien, c'est comme ça que ça marche. Ah. Effectivement, il faut viser du sol, ouais. Ça change tout. Non. Elle est où? Elle est où, sa saloperie? Ouais, je la vois. Je la vois sur la minimap. Non mais par contre... Au secours? Au secours, je prends tarif? Ah, j'absorbe toutes les attaques. Et toi là? Ouais, et toi là? En fait, y'a que toi qui va prendre l'attaque. Hein. C'est un problème? Oh, il a disparu. Non? Ouais. Ouais. Mais en vrai, je prends tarif, hein. En vrai, je suis en train de prendre un peu tarif quand même. Au secours. Bon, je suis mid life. Enfin, je suis plus que mid life, donc ça va, mais. Alors, je booste. Voilà. Et. Reste de là. Non. Ok. L'ombre devant. Saloperie. Non mais, en fait... En fait, tu vas prendre la max, hein. Pas de raison. Ouais. Ouais, ça m'intéresse le barrage, ouais. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'appelait. Et quand j'ai cherché d'où provenait la voix, j'ai vu ce monstre qui allait te tuer, Mipha. J'ai voulu voler à ton secours, et en un instant, je me suis retrouvé à l'intérieur de Ruta. C'était grâce à ton pouvoir, n'est-ce pas? Merci. Bien. À présent, hâtons-nous vers la forteresse d'Akala. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens! Imaginez un monde où il s'est possédé par l'onde de Ganon, le petit robot. Qu'est-ce que tu manigances? Tu ne comprends donc toujours pas. Ils sont devenus très forts. Bien plus que je ne l'aurais pensé. Ainsi, j'ai besoin de vous deux.
pour finir, vous allez œuvrer une dernière fois à l'accomplissement de notre grand dessein. Grand Cobra, fuyez, je vous en prie. Non, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas, je vous protégerai même si je dois y laisser la vie. Des sacrifices offerts au fléau Ganon. C'est l'ultime rôle que vous allez remplir. Nani. Bon, ça c'est pas censé se passer vu que le gardien il est pas censé remonter le temps, donc ils sont censés être en mode où on a perdu. Mais Astor toujours un mystère, Astor. Bon, Soupa aussi, mais Soupa à la limite. Soupa c'est le bras droit de Koga. On peut imaginer que dans une dimension parallèle, en fait, il est beaucoup plus vieux que Koga et du coup il est mort en fait 100 ans plus tard. Ou pas. Théba, ce guerrier Piave venu de l'avenir, porte une admiration sans borne au prodige Revali. Il n'a pas son égal lorsqu'il s'agit de voler. C'est un guerrier né, mais il peut parfois se montrer imprudent et colérique. Et Riju. Cette descendante du prodige Urbosa est venue de l'avenir. Elle a pris la tête des Gerudo à un jeune âge, succédant à sa mère morte prématurément. Et ceci plus que quiconque de son peuple, et a tendance à agir de son propre chef, sans se soucier du danger. Il y a un petit souci de confiance en elle aussi, mais ça c'est un détail. Oh putain. Ouais, ah, au secours. Ouais, ça y est, 12 milliards de missions. Revali Urbosa sont de retour. Oh là là. Oh la bataille d'Akala. Ah, cette forteresse qui va tomber. Est-ce que c'est comme ça que la forteresse va tomber? Aïe aïe aïe. J'ai envie de savoir, mais je vais faire une pause encore une fois, hein, parce que bah là j'ai encore 12 milliards de combats, chapitre 6. On a fini chapitre 5 du coup. Voilà, entraînement. Ok, bon écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Portez-vous bien. Bye bye.